first Noël, the angel did say... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo recette, c'est un brownie aux noix de pécan. Donc j'aime trop cette recette, surtout avec les noix de pécan. Ça apporte un petit goût en plus et du croquant. Donc je blablate pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour la recette, il vous faudra 60 g de farine, 150 g de sucre, mais j'ai mis uniquement 120 g parce qu'on n'aime pas quand c'est trop sucré. Un sachet de sucre vanillé, donc là j'ai mis du sucre vanillé, mais c'est du maison, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de sachet. 150 g de beurre, mais j'en ai mis que 120 vu que j'ai mis que 120 g de sucre. 200 g de chocolat dessert, donc ça peut être du chocolat au lait ou du chocolat noir, sachant que les brownies sont faits avec du chocolat noir. Voilà. 100 g de noix de pécan, donc ça équivaut à 2 sachets, mais là j'en ai mis qu'un parce que j'en avais qu'un, tout simplement. 3 œufs et une pincée de sel. Donc, on va casser les œufs et il faut les faire blanchir avec le sucre. Un œuf. Et pendant ce temps-là, après, on va mettre le chocolat et le beurre à fondre au micro-ondes. Du temps qu'on bat tout ça. Donc maintenant que j'ai cassé les œufs, hop, je les mets de côté, on va casser le chocolat avec le beurre et le faire fondre, si j'arrive. Si vous voyez deux autres petites mains, c'est mon chéri qui coupe avec moi le chocolat. Allez, on coupe en petits cubes, tout simplement. Et après, vous les mettez à fondre au micro-ondes et vous surveillez quand même que ça cuise pas. Voilà, au micro-ondes. Ben, vous regardez le temps, hein. Après, tout ça dépend. Donc là, je vais battre les œufs et y mettre le sucre. Là, j'ai battu les œufs. On y met le sucre, la pincée de sel, le sucre vanillé et vous battez. Ils disent qu'il faut que ça blanchisse. Maintenant c'est tout fondu et on mélange. On mélange. Ça a l'air d'être bon. J'en ai foutu de partout. Donc on reprend son plat avec ses œufs. On y verse le chocolat et le beurre fondu. Voilà. Hop. Je racle ce qui reste ici et on mélange. Voilà. Et maintenant, on va y ajouter la farine. Donc, vous pouvez y aller d'un coup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de farine. Donc. Et on remet. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180. Je sais plus si je l'ai dit. Voilà.
Donc là, la pâte est presque prête. Maintenant, on va prendre les noix de pécan, qu'on adore quand il y a des noix de pécan partout, non? Et on va les couper en petits morceaux. Et là, on mélange tout simplement. Une fois ça, vous mettez de côté. Vous prenez votre plat. Donc, il faut un plat plat. Un plat plat. Donc, vous le beurrez. Donc, là, c'est déjà fait. Et vous y mettez un peu de farine au fond. Voilà, un peu de farine au fond. Et tout simplement, vous y coulez la pâte. Maintenant, on va l'enfourner. Vous l'enfournez à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes et ça sera bon. C'est parti! Donc voilà, il est prêt. Ça fait un petit moment qu'on l'a sorti du four. Donc maintenant, on va le démouler et le mettre dans une assiette et on pourra le découper. Alors, on découpe des petits carrés si vous n'y arrivez pas. Et voilà, vous découpez. Voilà le petit brownie. Voilà, j'espère que cette vidéo recette vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!